Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la compilation Redman International dédiée au Jamaïcain Hugh James, alias Redman, qui, bien qu'il ne soit pas le plus célèbre des producteurs de dancehall, a su, comme son concurrent direct King Jamie, porter haut l'étendard de la révolution culturelle qui secoue la Jamaïque dans la seconde moitié des années 80. Une révolution musicale et technologique qui voit les machines, séquenceurs, claviers et autres boîtes à rythme s'imposer dans les studios de Kingston, reléguant au second plan le reggae dit Roots, celui-là même qui, de l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, galvanise les foules. L'Europe, attachée aux mélodies et à la qualité des textes de Bob Marley, et aux harmonies des trios vocaux comme les Gladiators ou les Mighty Diamonds, aura bien du mal, au moins dans un premier temps, à succomber à la spontanéité et au minimalisme du dancehall, ce reggae digitalisé qui en Jamaïque fait l'effet d'une bombe. Pour autant, les productions Redman, à travers des artistes comme Admiral Tibet, Tony Tuff et surtout Carl Mix, marquent au fer rouge cette époque ancrée dans la dure réalité d'une île que la misère gangrène. Une île qui sombre dans une violence toujours plus brutale. Une île qui n'a de paradisiaque que ses décors de cartes postales. Mais paradoxalement, une île insouciante, une Jamaïque festive qui s'épanouit dans la débauche d'une soirée dancehall dépouillée de toute concession. C'est ce contexte social particulier que décrit cette anthologie, un projet discographique mené d'une main de maître par le label japonais Dubstore qui saura, une fois encore, convaincre les plus sceptiques.